Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposée. Avant de nous lancer dans cet épisode, les petits rappels d'usage. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. À venir également interagir sur ceci avec nous. Rejoignez également notre Discord où vous pourrez venir discuter non seulement avec la rédaction de Lucarne Opposée, mais aussi et surtout avec la communauté de la planète Hello, cette planète où le football ne se couche jamais. Je vous encourage également à venir consulter régulièrement notre site pour avoir les dernières actualités de la planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs. Pour cela, il faudra vous rendre sur lucarne-opposé.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez actuellement ces podcasts et notamment sur notre chaîne YouTube et aussi, c'est important, sur celle-ci, à venir y laisser un pouce bleu et un commentaire. Je vous rappelle enfin, si vous voulez nous soutenir, la sortie du 12e numéro de Lucarne Opposée Magazine, le magazine 100% indépendant, 100% sans pub de la rédaction qui, ce trimestre, fait notamment la part belle à la place du football universitaire dans l'histoire et dans l'évolution du football mondial. Tous les liens sont évidemment dans la description. Place donc à cet épisode de l'AFC Corner, un épisode qui va nous emmener dans l'un des pays émergents de ce que l'on peut appeler la conférence Est de l'Asie, hein, tellement cette confédération est immense. On va donc aller en Thaïlande. Pour cela, je suis ravi d'accueillir un homme qui va faire sa première dans l'AFC Corner et qui nous a rejoint récemment pour venir vous parler sur Lucarne Opposée du football thaïlandais depuis la Thaïlande où il est installé, Jonathan Branger. Salut Jonathan, bienvenue dans l'AFC Corner. Comment vas-tu ? Salut Nicolas, oui ça va très très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va, ça se passe plutôt pas mal, donc tout va pour le mieux. On va donc aborder avec toi, on va se rendre avec toi en Thaïlande, tu vas nous accueillir chez toi hein, tout simplement. Et on va surtout aborder cette notion, c'est le titre de ce podcast, de plafond de verre qui semble toucher la Thaïlande et surtout son football bien évidemment. Mais on va commencer par planter un petit peu le décor pour comprendre pourquoi on parle de plafond de verre. Alors sans aller jusqu'à nous refaire hein, l'historique complète du football thaïlandais, parce que sinon je pense qu'un podcast ne suffira peut-être pas, peux-tu nous résumer brièvement quels sont les grands moments de l'histoire du football thaïlandais, d'abord pour la sélection et ensuite pour ses clubs ? Bah, on va commencer avec l'équipe nationale. Donc pour être très clair, l'histoire de l'équipe nationale thaïlande, n'est pas très étoffée, n'est pas très, très importante. Donc déjà, à signaler qu'il n'y a aucune participation à une Coupe du Monde. Ça, c'est déjà un premier point. En ce qui concerne les qualifications à la Coupe du Monde, le mieux qu'ait pu faire la sélection nationale, c'est pour les Coupes du Monde en 2018, où elle avait atteint le second tour, avant de se faire sortir, où elle s'était faite sortir, pardon, par des équipes beaucoup plus importantes qu'elle. À noter quand même deux participations aux Jeux Olympiques en 1956 et en 1968 et aussi également des participations à des Coupes d'Asie. Et là aussi, il a fallu attendre notamment 2007 pour voir la première victoire de l'équipe nationale de Thaïlande en Coupe d'Asie contre Oman. Mais avant ça, le pays a traversé un très long moment sans participer à la compétition. L'équipe a quand même obtenu la troisième place de la Coupe d'Asie en 1972 en n'ayant gagné aucun match. C'était à l'époque où la Coupe d'Asie réunissait six équipes et avec un seul match nul, la Thaïlande était arrivée troisième. Voilà, ce sont les seuls faits d'armes, on va dire, de l'équipe nationale. Alors, il y a eu 2019. Et finalement, le pays est arrivé à se sortir des phases de groupe de la Coupe d'Asie. C'était la première fois en 47 ans. Mais voilà, pas de titre, pas de participation à la compétition des nations majeures qui est la Coupe du Monde.
et on va dire des participations demi-teinte en Coupe d'Asie pour le moment. Et pour les clubs, du coup, est-ce qu'on est sur un bilan comparable au niveau des compétitions continentales? Grosso modo, on est dans le même schéma, oui. Les clubs thaïs participent à la Champions League asiatique tous les ans depuis 2009. En fait, 2009 est une année importante dans l'histoire du football thaï, puisque c'est durant cette année que la Confédération asiatique de football avait demandé en fait aux clubs thaï de devenir des entités privées, de devenir des vrais clubs de football privés, parce qu'il faut savoir qu'avant 2009, les clubs de football thaï étaient en fait des entités publiques, ils étaient rattachés soit à des ministères, soit à des bureaux publics, et en fait c'était un championnat étatique. Donc en 2009, les clubs thaïs ont dû se mettre aux normes, tout a basculé et les clubs se sont professionnalisés. Il y a eu l'émergence donc d'une dizaine de clubs et à partir de ce moment-là, il y a eu des participations donc chaque année à l'AFC Champions League. Et là aussi, le bilan n'est pas extraordinaire dans la mesure où Mongtong Thani United et Buriram y ont participé. Et réussi à atteindre, on va dire, un niveau élevé, puisque Mongtong Thani est arrivé en demi-finale et Buriram United est arrivé en 2012 à battre, on va dire, des équipes majeures, des équipes de pays asiatiques majeurs. Mais à part ça, là aussi, pas grand-chose à signaler. Donc oui, il y a une espèce de similarité entre le destin de l'équipe nationale et club, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on parle de plafond de verre pour l'équipe nationale et pour les clubs. On est seulement sur des participations. Ces participations ne sont pas, on va dire, ne donnent pas lieu à des choses extraordinaires. Ouais, et tu parlais de la Coupe d'Asie notamment, hein, et de la dernière, hein, parce que justement, hein, si l'on commence à parler de plafond de verre et de nations émergentes, c'est aussi parce qu'il se passe des choses sur cette dernière décennie. Tu as parlé de 2009, donc voilà, on est en plein dedans. Cette dernière Coupe d'Asie, elle est quand même assez symbolique, hein, pour la Thaïlande, parce qu'on a d'un côté une leçon prise en ouverture face à l'Inde, hein, si je me souviens bien, il me semble qu'il y a 4-1 ou quelque chose comme ça. Et pourtant, derrière, une qualification historique pour les huitièmes, tu l'as dit, où là aussi, l'équipe nationale va mener face à la Chine et va se faire retourner en quelques minutes. Et voilà, on a vraiment le sentiment, si on doit résumer, hein, l'évolution de la Thaïlande, de sa sélection et de ses clubs, comme tu l'as dit, sur cette dernière décennie, c'est qu'on a le sentiment d'être vraiment sur des montagnes russes en termes d'espoir. Et on le disait, hein, on a aussi quelques titres de champion d'Asie du Sud-Est, on a donc cette qualification pour le dernier tour de qualif de la Coupe du Monde 2018. Mais au final, ça se termine par un échec, hein, parce que le dernier tour, même s'il y a des nations entre guillemets supérieures, se solde par aucun résultat véritablement positif. Est-ce que ce constat, cette notion de montagne russe, est partagée par les amoureux de football, les Thaïlandais, les fans thaïlandais? Et comment cela est vécu au pays? Est-ce que voilà, on a vraiment cette sensation et cette frustration d'être sur des montagnes russes? Au pays, on a tout à fait conscience d'être, on va dire, d'être dans un entre-deux. C'est-à-dire que la Thaïlande commence de plus en plus à se démarquer de ses voisins du sud-est asiatique, prendre le dessus sur des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, le Myanmar. Alors ça se dispute un petit peu avec le Vietnam, mais on est encore très loin des mastodontes, si je peux les appeler comme ça, asiatiques, qui sont la Corée du Sud, l'Australie, voire la Chine. Au pays, si tu veux, on a tout à fait conscience du niveau de l'équipe nationale. Ceci étant dit, les supporters continuent à être derrière leur équipe, quoi qu'il en soit. Pour expliquer cela, en fait, il ne faut pas parler de football, il faut parler en fait plus d'histoire. Et je vais juste mentionner un point qui me paraît essentiel, si tu veux, pour comprendre le football thaï, le fonctionnement du football thaï et la globalité du pays. C'est que la Thaïlande, en fait, est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a jamais été colonisé. Et cela a développé, si tu veux, une espèce de fierté, de fibre patriotique à l'excès, certains diront, qui fait que, quoi qu'il arrive, les supporters seront derrière leur équipe juste parce que les hommes qui sont sur la pelouse portent l'écusson du pays. Et malgré cette réalité d'être encore un petit peu à la traîne comparé aux autres pays, aux autres géants asiatiques,
Les supporters restent, quoi qu'il arrive, derrière leur équipe parce qu'il y a cette fierté d'être Thaï, il y a cette fierté d'appartenir à ce pays et on sera derrière l'équipe qui représente le pays. Ceci étant dit, tu évoquais la Coupe d'Asie en 2019. Oui, elle symbolise totalement l'état actuel du football thaï. C'est-à-dire, on est dans un groupe, on rencontre une autre nation émergente, l'Inde, on perd 4-1. Alors, il faut savoir que pendant cette Coupe d'Asie des Nations, après le premier match, l'entraîneur de l'équipe a été viré pour ensuite être remplacé par son adjoint. Et ensuite, la Thaïlande a réussi à obtenir un nul quasi historique, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de nuls et de victoires contre Bahreïn, et de gagner contre les Émirats Arabes Unis, qui était donc le pays organisateur. Avant d'accéder aux huitièmes de finale, et encore une fois, de faire face à plus grand que lui, la Chine, et de perdre, bon, sur un score qui n'est pas ridicule en soi, de buts à un, mais qui symbolise tout à fait ce problème. Je vais prendre un autre exemple pour symboliser ça. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, qui se passent en deux tours. Premier tour, la Thaïlande est dans le même groupe que l'Irak, Taïwan et le Vietnam. Aucune difficulté, deux nuls contre l'Irak, quatre victoires contre le Vietnam et Taïwan sur une phase aller-retour. On passe le premier tour face à des équipes moins fortes. On arrive dans le second tour, on rencontre l'Australie, le Japon, et là, c'est la débandade, pas une victoire, deux points de prix, et merci, au revoir, pas de qualification en Coupe du Monde. Donc, que ce soit pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018 ou la Coupe d'Asie en 2019, c'est une année qui suit l'autre, on est vraiment dans cette problématique du plafond de verre, c'est-à-dire être assez fort pour se démarquer de ses concurrents du sud-est asiatique, mais ne pas encore franchir cette marche pour être au niveau des pays comme la Chine, la Corée, le Japon, l'Australie, par exemple. Ouais, en gros, mener le peloton des poursuivants sans jamais parvenir à réduire l'écart. Et tu évoquais, hein, il y a un instant, la spécificité de la Thaïlande et donc les conséquences sur son football, justement. On parlait d'espoir, on parle de nations émergentes, tu l'as dit, hein, les supporters sont présents, toi tu le vois, hein, sur place tu peux le voir. Il faut quand même, on va faire une petite digression là-dessus, le football est quand même particulièrement populaire en Thaïlande. Hein. Le football est le sport numéro un en Thaïlande. Alors, ce qui est assez paradoxal quand on voit en fait les résultats de l'équipe nationale et les résultats des clubs en Champions League asiatique, malgré ça, le football occupe une place prépondérante dans la société thaï. Ça se voit à tous les étages en fait de la société, que ce soit à petit niveau ou alors dans les élites. C'est quelque chose qui est omniprésent dans la vie de tous les jours. Alors, je peux citer pêle-mêle plusieurs exemples. Par exemple, on voit fleurir partout dans le pays des stades pour la pratique. On voit un nombre incalculable d'écoles de foot ouvrir année après année. En ce qui concerne la diffusion des matchs, très clairement, on peut accéder à tous les matchs européens sur le câble Thaï. Donc, que ce soit en gratuit ou en payant, il est très facile d'accéder à tous les matchs des compétitions européennes. Les championnats japonais et coréens sont diffusés sur YouTube gratuitement et il y a beaucoup de vues. L'affluence dans les stades en temps normal, pendant dans une période de Covid, l'affluence est plutôt importante dans les stades lors du championnat de la Thaï Premier League. Donc oui, c'est le sport numéro un. Il y a un grand nombre de licenciés. Et si on évoque en fait cette passion pour le football en Thaïlande, il est obligatoire d'évoquer l'emprise. J'utilise ce mot, on va dire à bon escient, l'emprise de la Première Ligue britannique, la Barclays Premier League, sur le pays. Il y a une fascination quasi, je vais dire, mystique pour le championnat anglais. Tous les matchs sont diffusés à la télévision, absolument tous. Il y a des sites spécialisés en Thaï pour l'analyse des championnats anglais. Il y a des débriefs à la télévision, à la radio, les magazines font leur couverture sur le championnat anglais. Il y a des clubs de supporters de beaucoup d'équipes, Manchester United et Liverpool en tête, notamment.
Autre exemple très, très drôle, par exemple, le derby Manchester United-Liverpool est diffusé partout dans le pays sur grand écran, dans des bars. Enfin, ça fait l'objet de promotions, d'événements marketing où les gens vont se réunir à 100, 200, 300 personnes devant un écran dans la rue pour suivre le derby avec certains supporters de Liverpool, certains de Manchester United. D'ailleurs, le titre de Liverpool l'année dernière a été fait en grande pompe dans certaines rues du pays, de klaxons, de défilés de voitures aux couleurs du club. Et cela, en fait, c'est vraiment là, on a franchi une étape supplémentaire au moment où, en fait, Leicester a été racheté par une famille thaïlandaise. Et là, en fait, Nicolas, je reviens à cette fierté d'être thaï, voir une famille thaï acquérir club important de la Première Ligue a été une étape majeure ici. Non seulement par le fait qu'on développe la marque, on va dire, même si je n'aime pas dire ça, la marque Thaïlande à travers le monde et notamment en Angleterre, mais en plus, via ce que fait notamment Leicester en Thaïlande, on en parlera peut-être un peu plus tard, sur la politique de jeunes, sur le scouting ici, sur les centres de formation qu'ils ont installés. Donc oui, le football en Thaïlande est une quasi-religion. D'ailleurs, ça appuie en fait appuie ce sentiment de frustration quand on voit les performances de l'équipe nationale et des équipes thaïes dans la Champions League. Ouais, c'est cela. Et on en reparlera. On fera une émission justement sur cette histoire Leicester et son lien étroit avec la Thaïlande. On fera tranquillement un podcast à ce sujet. On a donc fait le constat. On voit qu'il y a un socle populaire et plus qu'un socle, hein, d'ailleurs. Hein, tu viens de l'expliquer. On a vu les résultats. On a donc voilà le décor. On l'a dit. On va planter le décor. On a fait le constat. On a planté le décor. On va désormais essayer de voir s'il y a une réponse ou au moins une tentative de réponse à ce constat. Mais avant cela, la question, j'ai envie de dire la première question qui se pose, est-ce que ce constat, cette vision des choses, cette observation des faits a été fait justement par la fédération, par les clubs? Est-ce que au sein des institutions locales thaïlandaises, donc institutions, hein, fédé plus club, on a conscience de ce plafond de verre ou alors pas du tout? Clairement, oui, il y a eu une prise de conscience. Alors, d'abord, en 2016, il y a eu l'élection d'un nouveau président à la Fédération thaï de football. Son nom est un peu trop long pour être prononcé, on va l'appeler Somyot. Somyot a décidé de mettre en place un plan de développement de formation et du football thaï sur 20 ans, sur 20 années. Donc, c'est, on va dire, grosso modo, la première fois. Un plan de ce type est mis en place à l'échelle de la fédération. Et cela a emmené une série de décisions qui visent en fait à construire une ligne directrice dans la politique du football du pays. La première a été d'engager en fait pour l'équipe première, pour l'équipe nationale, le japonais Akira Nishino, et qui était entraîneur de l'équipe nationale du Japon. On se souvient notamment qu'ils avaient fait un beau parcours à la Coupe du Monde. Akira Nishino, en fait, il faut savoir que le président de la Fédération de football thaï est un fan du football japonais et admirateur du travail qu'a fait Akira Nishino dans les années 90 avec les équipes de jeunes du Japon. Et c'est dans ce sens-là qu'il a décidé d'amener cet entraîneur pour pas seulement entraîner l'équipe première sur du court terme, avec une vision de court terme, mais construire sur la durée. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est très rare aussi, c'est que Anishino va s'occuper de l'équipe première, mais va également s'occuper des U23 de l'équipe nationale. Donc on cherche en fait à créer une harmonie dans le développement du football à l'échelle nationale. Passe notamment par le développement d'une identité de jeu, le suivi des jeunes, une mise en place, on va dire une accentuation de la discipline, chose qui manque peut-être de temps en temps chez certains joueurs thaïs. Dans le même temps, dans les équipes de jeunes, donc notamment dans les U20, par exemple, on a décidé de faire appel à des compétences européennes, puisque notamment le coach U20 de la Thaïlande, qui s'appelle Salvador Valero Garcia, qui est un Espagnol, est en fait un membre éminent, alors je ne sais pas si ça parle aux auditeurs, de la méthode Econo. La méthode Econo, en fait, c'est une méthode développée par un laboratoire à Barcelone qui base sa stratégie sur le développement des jeunes joueurs.
Donc, on va désormais prôner une transversalité des méthodes de formation au sein de la fédération et donc créer une harmonie entre les équipes de jeunes, l'équipe A, autour d'un homme, Vanni Chino, donc un homme d'expérience, hein, donc dont les résultats parlent pour lui. En ce qui concerne les clubs, également, il y a eu une prise de conscience et on voit que certains clubs de la Toyota Premier League et de la deuxième division aussi prennent une autre direction, prennent un virage dans leur politique sportive. L'exemple qui illustre tout à fait ça, c'est en fait Muangthong Thani United. Jusqu'à là, était un petit peu, on va dire, le club assez paillette du championnat, qui fondait sa politique sportive sur un nombre incalculable de transferts, de vieilles gloires sur le retour, et qui là, donc, a décidé de s'appuyer sur des jeunes pour la première fois cette année. On peut également citer en deuxième division le club de Chiang Mai United, qui a décidé d'engager un entraîneur européen membre d'une académie appartenant au Bayern de Munich. Donc, cet homme s'appelle Denis Amato. Et pour parler un petit peu de lui, en fait, Denis Amato fait partie en fait de ces gens de l'extérieur qui viennent apporter un petit peu leur pierre à l'édifice dans le développement du football thaï. Il fait partie de la Sport Thaï Bavaria, en fait la STB. La STB en fait est une entité créée par le Bayern de Munich en Asie du Sud-Est pour le développement du football dans cette région et notamment en Thaïlande. Ils font un gros travail sur la formation des jeunes et le but est d'apporter, on va dire, une vision allemande, particulièrement du Bayern, sur la politique du football ici, donc notamment la rigueur, la formation, le scouting, etc. D'autres programmes sont mis en place. On peut notamment citer, bon, on revient encore à Leicester, mais quand on parle du football thaï, on parle de Leicester. Le programme Fox Hunter, qui a été mis en place par la famille Thaï, propriétaire de Leicester, qui vise en fait à repérer les meilleurs adolescents du pays, les meilleurs footballeurs adolescents du pays, et de les emmener pendant 2 ans au centre de formation de Leicester pour pouvoir les former. Ça permet d'une part aux propriétaires Thaï du club de Leicester, on va dire, de développer en bien l'image de la Thaïlande. Et en contrepartie, ça permet aussi d'avoir des joueurs qui bénéficient, on va dire, de conditions de formation fantastiques, si on parle de Leicester, et qui ça peut profiter au football thaï, que ce soit à l'équipe nationale sur le long terme, mais également au club, puisque si ces joueurs, et je pense que ces joueurs, pour la plupart, reviendront au pays, ils profiteront de ce qu'ils ont appris à Leicester pour le développer en Thaïlande. On est vraiment, parce qu'on l'a déjà dit, on l'a évoqué un petit peu de manière sous-jacente, hein, en Asie de l'Est, il y a dans la conférence Est, comme je dirais, hein, si je coupe l'Asie, de toute façon, elle est découpée comme ça concrètement. Il y a 3 pays émergents, tu les as cités tout à l'heure, et ils se croisent assez régulièrement, l'Inde, le Vietnam et donc la Thaïlande. Et donc, on voit qu'ils sont en train de suivre des chemins communs. On a déjà eu un podcast qui commence à remonter à l'année dernière, il me semble, sur le Vietnam, avec justement des académies chapeautées par des étrangers. On avait parlé de l'importance alors d'Arsenal au Vietnam dans le développement d'une académie locale. On le voit aussi, donc on le voit avec le championnat indien, hein, qui se développe, qui attire des partenariats à l'étranger. Le dernier en date, il est tout récent, hein, c'est entre Leipzig et Goa. Donc là, tu nous dis que voilà, en Thaïlande, on est en train de suivre cette voie avec des différents d'ailleurs championnats européens, parce qu'on ne s'est pas cantonné à la Première Ligue. Tu nous parles du Bayern, tu nous parles de l'école espagnole. On est vraiment en train aussi de s'ouvrir à l'international, véritablement pour développer son football. Hein. Exactement, exactement. Et c'est en ça qu'on voit aussi la naissance de certaines académies d'autres clubs de football européen. On peut notamment citer le Paris Saint-Germain, qui a une académie ici, Arsenal, qui a une équipe de football, une école de football, pardon, Chelsea, qui a aussi une académie. L'intérêt réciproque, le but pour ces clubs en Europe est de développer l'image. Leur image dans un pays qui est densément peuplé et qui est accro au football. Et en contrepartie, cela permet aux jeunes footballeurs thaïs de pouvoir se développer, de pouvoir avoir
pouvoir bénéficier de méthodes qui jusque-là étaient inconnues peut-être dans le pays. Donc en fait, il y a une espèce de réciprocité comme ça, il y a un intérêt des deux parties, et c'est dans ça que les académies de football fleurissent un petit peu partout, les académies de football au nom des clubs européens. Leicester en est le principal, la principale locomotive. Donc il y a le Bayern et le programme STB, Arsenal, Chelsea, le Paris Saint-Germain. À noter juste que cette ouverture se limite au football européen ou à la Corée-Japon. En fait, la Thaïlande ne va pas vraiment s'inspirer de ses voisins du sud-est asiatique. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un grand amour d'un point de vue footballistique entre les nations en Asie du Sud-Est. Il n'y a pas un respect outre mesure, en fait. Par exemple, la Thaïlande va rarement regarder ce qui se passe du côté du Vietnam. Ou même si elle le fait, elle ne va pas le dire par souci de fierté. Et on en revient encore à ce que je te disais sur cette fibre, on va dire, patriotique surélevée ici. Mais on ne va pas vraiment s'inspirer des voisins. Et on estime, pas seulement pour la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, la Birmanie, l'Indonésie, et on estime qu'on n'a pas à s'inspirer de ses voisins, qu'on n'a rien à apprendre de l'autre en Asie du Sud-Est. Je peux citer un exemple concret. La Thaïlande critique à demi-mot la politique footballistique de Singapour, qui est basée en fait sur la naturalisation des joueurs étrangers pour pouvoir construire une équipe nationale compétitive. Dans le microcosme du football thaï, on ne comprend pas vraiment cette politique et que certains considèrent, on va dire, dévalorisante pour le pays. Donc, il y a une ouverture, mais on regarde vraiment les ténors du football mondial. On ne va pas regarder les voisins qui peut-être ont quelque chose à apporter, mais on va pas s'en soucier outre mesure. Ou alors, on ne va pas le dire. Ouais, c'est ça. C'était une question que j'allais te poser justement par rapport à ces voisins-là, par rapport à cette concurrence. Et donc voilà, tu viens d'y répondre. Voilà, on est en concurrence, mais on fait genre de ne pas regarder ce que fait le voisin, même si bon, on imagine quand même que ça doit quand même les regards doivent se tourner un petit peu quand même sur ce que font un des Vietnam. Mais bon, il faut pas le dire. Alors on va pas le dire. on va pas le dire. Voilà, exactement. Mais justement, voilà, ben, on parle de concurrence, tu viens d'aborder hein, le thème de la concurrence avec les autres émergents. C'est une question qu'on peut se poser par rapport aux clubs thaïlandais. Est-ce que ces clubs-là ont un pouvoir d'attractivité, un pouvoir d'attraction? Là, je parle par exemple en termes de moyens, parce que on le voit, bon, alors c'est forcément souvent un sujet de débat hein, au sein de la rédaction, la présence de l'Australie en Asie. Sauf que l'Australie est tout de suite, et ses clubs sont tout de suite venus se mêler, et sont de vrais, bon, un peu moins ces derniers temps, mais on a vu des parcours continentaux, on a eu un titre hein, pour l'Australie avec le Wanderers. Voilà, on a vu les Australiens, les clubs, et la sélection australienne a gagné une Coupe d'Asie, donc elle a tout de suite été compétitive. Quels sont les moyens pour les clubs thaïlandais d'attirer des joueurs, justement, par rapport à une Australie qui, pour l'instant, en ce moment, est en train de souffrir? On voit, par exemple, que l'Inde prend du poids, attire beaucoup de joueurs de A-League en proposant de meilleurs salaires, hein, c'est aussi bête que cela. Est-ce que la Thaïlande a cette capacité-là à pouvoir essayer d'attirer les bons joueurs de la zone? Évidemment, loin derrière la Corée, le Japon et la Chine, on n'est pas dans les mêmes. Je pense qu'on n'est quand même pas dans les mêmes niveaux économiques. Mais est-ce que, au sein des émergents, au sein de, on va dire, le deuxième wagon, la Thaïlande a un vrai pouvoir d'attractivité? C'est un peu comme à l'image de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cet entre-deux dans lequel la Thaïlande se situe. La Thaïlande a bien sûr une attractivité. Juste pour information, si on parle de salaire des joueurs dans le championnat thaï, on est sur une allant de 2 000 $ pour, on va dire, des clubs, des joueurs modestes dans des clubs modestes, ça peut aller jusqu'à 30, 40, 45 000 $ par mois, ce qui est quand même très bien pour ce qui est quand même solide, hein. qui est quand même solide. Voilà, donc il y a quand même moyen d'attirer, bon, même si le salaire au-dessus de 20, 25 000 $, ce n'est pas non plus tout le monde, mais il y a quand même quelques joueurs qui touchent ce salaire-là. Donc, si on parle d'un point de vue financier,
Bien sûr, il y a les clubs thaïs ont les moyens d'attirer des joueurs étrangers, dans la mesure où la majorité des clubs thaïs sont sponsorisés ou sont soutenus par des grandes entreprises. Notamment, on peut citer Bangkok United, qui est soutenu par la plus grande entreprise de télécommunications du pays, Mong Company aussi par une grande compagnie, Port FC par une grande compagnie d'assurance. Donc, il y a les moyens d'attirer financièrement les joueurs. Après, la différence avec l'Australie, j'ai envie de dire, revient à ce plafond de verre dont on parle souvent avec la Thaïlande, c'est que quelle est l'ambition du joueur? Si l'ambition du joueur à court terme est de se faire une place et d'avoir une visibilité en Champions League asiatique, la Thaïlande n'est pour le moment, du moins, j'espère que ça va changer, j'espère profondément. La Thaïlande n'est pas l'endroit idéal, bien sûr, parce que les résultats des clubs en Champions League asiatique n'est pas fantastique pour le moment. Et donc, je pense qu'il y a plus de chances pour un joueur de se faire un nom sur le plan continental en allant en Australie qu'en allant en Thaïlande. Par contre, s'il n'y a pas cet objectif, on va dire, continental, la Thaïlande représente un bon choix de carrière. Il faut quand même se dire que les salaires sont corrects, on joue devant des stades, alors certes des petits stades, le stade le plus grand dans le championnat c'est 30 000 places, mais des stades qui sont tout le temps pleins, avec une belle atmosphère, les conditions de vie en Thaïlande sont plus agréables, c'est un pays qui est un des pays les plus touristiques du monde, il y a beaucoup d'avantages, cela a été confirmé par beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus jouer ici, par exemple on a vu le cas de Florence Inamapongol qui jouait seulement à Chainat, qui était encore un club de seconde division. Et quand on voyait ses conditions de travail, cela n'a rien à envier, mais absolument rien à envier, par exemple, à un club de Ligue 2 en France. Donc, le championnat a un pouvoir d'attractivité à la seule condition, et je parle encore sur du court terme pour le moment, à la seule condition de ne pas avoir une ambition continentale démesurée. Au moins, d'un coup, un club, et je l'espère, dise, voilà, on a un projet sur le long terme et on veut se faire une place en AFC Champions League. Et les joueurs veulent participer à ce projet et amener le club au sommet, un club au sommet. À ce moment-là, oui. Mais pour le moment, de ce point de vue-là, je pense que la Thaïlande est derrière l'Australie. Pour le reste, ça reste quand même un bon choix de carrière. Ouais, Et les c'est ça. joueurs étrangers le confirment. Il y a moyen de kiffer, hein, comme on dit, de prendre du plaisir et de jouer à un bon niveau. Et justement, tu l'évoquais, ce plafond de verre est symbolisé aussi pour les clubs, hein, par la Champions League, essayer de franchir ce palier. On va se poser une petite question quand même, parce qu'on le voit, hein, on le voit en Europe, il y a une passerelle entre la Ligue des Champions et l'Europa League. On le voit en Amérique du Sud, où il y a une passerelle entre la Libertadores et la Sudamericana. C'est assez récent, hein, dans les deux cas, beaucoup plus récent, entre guillemets, pour l'âme sud que pour l'Europe. Mais on voit aussi que ça permet à certains clubs de se développer. Je pense, pour l'Amérique du Sud, je pense, l'exemple type, c'est Independiente del Valle, qui a fait ses premiers coups, quelques coups en Libertadores, mais qui a surtout validé en Sudamericana et qui maintenant est devenu une place forte, hein, du continent, entre guillemets. Enfin bon, on n'est pas au niveau non plus des géants argentins ou brésiliens, mais voilà. On a vu, hein, tu l'as dit tout à l'heure, des jolis parcours continentaux, hein, pour Buriram, pour Muangthong. Mais bon, on a, et tu l'évoques, tu le dis, c'est un petit peu sous-jacent dans ton propos, on a la sensation quand même que ça reste voué à un exploit, hein, de temps en temps. Il va y avoir un exploit, on va aller en huitième de finale, on va aller éventuellement en quart, mais là c'est quasi miracle. Est-ce que justement l'un des problèmes qui va se poser au club thaïlandais et qui peut aussi expliquer la notion de plafond de verre à l'échelle continentale, c'est aussi cette absence de passerelle qu'il y a entre l'Asian Champions League et la FC Cup notamment, qui est restreinte, où le découpage entre les deux n'est pas forcément sur des critères sportifs. Est-ce que l'absence de passerelle entre ces deux compétitions, c'est aussi un frein pour le développement de pays émergents comme la Thaïlande? Clairement. Depuis 2013, en fait, les clubs thaïs ne participent plus à l'AFC Cup. En fait, c'est suite à un deal qui a été fait avec la Confédération asiatique. Grosso modo, on donnait une place de plus automatique en AFC Champions League. En contrepartie, on disait à la Thaïlande de ne plus participer à l'AFC Cup. Et la Thaïlande a accepté. C'est totalement subjectif. Je pense que ça a été une idée absolument terrible. Dans la mesure, oui, il y a beaucoup plus de places qualificatives en AFC Champions League pour le championnat thaï, mais au final, pourquoi?
pour se casser la gueule contre des équipes qui sont plus fortes qu'elles. Et tout le démontre. Tout le démontre lors de ces dernières années, que ce soit les parcours de Mangtong Tani, les parcours de Buriram, où encore une fois, et à l'image de l'équipe nationale, on va être à l'aise face à des équipes moins fortes. Et quand il faut rencontrer, quand il faut faire face aux équipes beaucoup plus expérimentées, notamment coréenne, puisque par exemple, je prends l'exemple de Mangtong qui a été éliminé 2 années consécutives par une équipe coréenne, la Thaïlande ne fait plus le poids. Je pense ce serait une bonne idée que de revenir à la FC Cup, d'autant plus qu'avant cette fameuse date de 2013 et cette attribution automatique, les clubs thaïs faisaient des parcours intéressants en AFC Cup. Hein. On peut notamment citer Sean Bury qui avait atteint les demi-finales, Mangtong Tani aussi qui avait atteint les quarts de finale. Donc, il y avait matière à faire quelque chose et pourquoi pas remporter des titres et se faire un nom et se faire, on va dire, les dents sur des équipes un peu plus modestes. Beaucoup de journalistes locaux, d'experts du football thaï, sont unanimes pour dire que les clubs thaïs voyagent mal. C'est-à-dire qu'à la limite, à domicile, les résultats sont plutôt pas mal, mais quand il s'agit d'aller jouer en Corée, en Chine, au Japon, clairement, il n'y a plus personne. Donc, ça freine le développement des clubs thaïs et ça ne va pas s'arranger cette année. Enfin, je pense que ça ne va pas s'arranger cette année avec Chiangrai. Juste pour histoire, en fait, pour la petite histoire, Chiangrai United est le champion en titre de la Toyota Premier League. Et c'est un club qui sort un peu de nulle part. Voilà, grosso modo, c'est un club qui, il y a quelques années, était englué dans des ligues régionales et qui, d'un coup, par une série de mécénats et d'aides financières, est arrivé au sommet du football thaï, a été champion l'année dernière. Et aujourd'hui, se retrouve en AFC Champions League. Et on voit encore le résultat. Bon, il y a certes seulement 2 matchs de jouer, mais dernier de la poule, 0 points. Et encore face à une équipe coréenne, le FC Séoul, chinoise, Beijing FC, et Melbourne Victory, les Australiens. Et encore une fois, l'équipe thaï est quatrième et 0 points. En plus de ça, l'équipe va réattaquer dans 2 semaines, je crois, la Champions League dans une situation difficile, puisqu'ils viennent de limoger enfin, ne pas renouveler le contrat de leur entraîneur, le japonais Masami Taki. Et là, ils sont actuellement dirigés ils sont un peu en autogestion, dirigés par des membres du staff. Donc, on est encore face au même problème année après année. Avoir renoncé à la FC Cup a été pour moi une mauvaise décision. Ouais, c'est clair, c'est peut-être ce qui, voilà, tu le disais en termes d'expérience continentale à acquérir, c'est peut-être aussi cela qui va, pas empêcher, mais surtout ralentir l'émergence des clubs thaïlandais à l'échelle du continent. Alors bon, pour la Ligue des Champions de cette année, hein, on rappelle, hein, au moment où on enregistre, normalement, ça se tient encore, hein, à l'Est, même s'il y a des équipes qui semblent pas pouvoir y aller. On va aller sur un hub au Qatar, hein, pour jouer la partie Est. Bref, c'est un peu, elle est très particulière, hein, cette Champions League 2020. Elle suscite beaucoup de débat aussi au sein de la rédaction, mais bon, bref, on en reparlera peut-être un jour de cette Ligue des Champions 2020 asiatique, parce que ouais, il y a beaucoup de choses à dire et elle fait beaucoup parler au sein de la rédac Asie de Lucarne Opposée. On va donc voilà, donc on l'a vu, hein, on a essayé d'expliquer un petit peu d'où on vient, où on en est et vers où on va aller pour essayer justement en Thaïlande, l'un de ces pays émergents de la conférence Est, j'aime bien dire la conférence Est, dans son objectif d'essayer de franchir le palier qui lui permettra pas forcément de dépasser un Corée du Sud ou un Japon, mais au moins de venir se hisser à la hauteur d'un Australie ou d'un Chine dans ce paysage-là, et pourquoi pas un jour d'arriver notamment aux Coupes du Monde. C'est ce qu'on souhaite aussi au football thaïlandais. Bah, je vais te remercier, Jonathan, pour cette première à la FC Corner. Merci beaucoup, Nicolas. C'était un plaisir de parler du football thaï et de promouvoir un peu le football local.
Exactement, et vous pouvez retrouver les articles de Jonathan sur le site où il vous fait suivre le championnat. Et le week-end dernier, c'était la coupe au moment où on enregistre. Mais voilà, il vous fait suivre les compétitions locales thaïlandaises. Voilà, on va en rester là pour cet épisode de l'AFC Corner. Merci à tous, une fois encore, de votre soutien, de nous écouter, de laisser des commentaires, des pouces bleus, des ce que vous voulez. Voilà, on va vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction du moment auquel vous écoutez ce podcast. Et on vous dit surtout à très bientôt.